Bien, chers étudiants, et puis bien sûr, chers collègues, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président directeur général, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cet amphithéâtre qui, comme hier, est à nouveau un peu chaud, mais c'est le signe qu'on essaie de ne pas trop utiliser d'énergie pour nos engagements COP21. Mais cette conférence a donc deux enjeux, et c'est pour cela que sentez-vous libre effectivement de tomber la veste. Cette conférence a deux enjeux. Le premier, c'est de contribuer donc au séminaire « Comprendre et changer le monde » auquel l'ensemble de la promotion de première année de l'ESSEC Business School participe depuis hier et pour 15 jours. Et donc, nous vous l'avions promis, une conférence exceptionnelle aujourd'hui avec M. Carlos Ghosn. Cette conférence permet aussi d'ouvrir un cycle de conférences en géopolitique qui se déroulera au sein du centre d'un des centres d'excellence de l'ESSEC, l'IRENE, International Governance and Dialogue, qui est l'endroit à l'ESSEC où l'on réfléchit à la négociation, au partnership building. Je passe la parole à Jean-Michel Blanquer, directeur général du groupe ESSEC, avant de vous présenter ensuite notre invité d'honneur. Jean-Michel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais être extrêmement bref pour laisser tout le temps utile à l'intervention de Carlos Ghosn. Je voudrais d'abord évidemment saluer l'ambassadeur du Liban en France. Le Liban est un grand pays ami de l'ESSEC. Nous avons beaucoup d'alumni ESSEC libanais et nous avons aujourd'hui un accord avec l'ESA de Beyrouth dont nous sommes particulièrement fiers. Et c'est l'occasion pour moi de le dire et de m'en réjouir. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là, Monsieur le Président. C'est pour l'ESSEC évidemment un grand moment, un grand honneur. Votre firme est une firme amie depuis les origines de l'ESSEC. On a d'ailleurs une histoire à peu près de longueur comparable, puisque l'ESSEC a été créé en 1907. Et surtout, évidemment, votre personnalité emblématique à l'échelle du monde pour la création d'un grand groupe plurinational, c'est-à-dire un grand groupe notamment basé dans deux grands pays que sont la France et le Japon, avec une extension mondiale dans tous les pays du monde. Eh bien, ce groupe est évidemment emblématique de ce qui s'étudie ici, c'est-à-dire la transformation de l'entreprise dans le contexte de la mondialisation et de la digitalisation. C'est pourquoi c'est pour nous très précieux de vous écouter. Aujourd'hui, vous allez parler notamment devant les étudiants en grande école qui viennent d'intégrer l'ESSEC. Ils ont accompli un parcours déjà d'excellence pour arriver ici. On est fiers d'eux. Et on est fiers aussi de ce qu'on leur propose au cours de ce trimestre, puisque l'idée, c'est de leur donner un bain de réalité, si je puis dire. Ils vont partir bientôt dans des stages de terrain. Ils vont faire quelque chose que peut-être pourrait vous séduire. Ils vont faire quelque chose qu'on appelle GoPro, c'est-à-dire que chacune d'entre eux, pendant une semaine, va suivre un grand décideur pour voir comment c'est de manager. Peut-être serez-vous ouvert à une telle idée. J'en reçois moi-même un ou une, ou des personnes qui travaillent avec vous. Mais c'est pour vous dire que tout simplement, pendant le trimestre qui vient, cette plongée dans la réalité, pour nous, est essentielle, avec cette semaine organisée justement par le professeur Colson, qui est sur le thème « Comprendre et changer le monde », c'est-à-dire « Dans quel monde sommes-nous ? » Vous êtes là au cœur de l'esprit ESSEC, c'est-à-dire le fait que, bien entendu, nous donnons des enseignements d'excellence dans des domaines techniques indispensables pour le management, mais aussi nous voulons relier l'ensemble de ces enseignements entre eux et faire que nos étudiants, que nous avons choisis aussi pour ça, soient des étudiants ouverts sur les réalités du monde et comprennent sa complexité dans le meilleur sens du terme. Donc vous recevoir pour nous est vraiment à la fois un honneur et un très grand moment pour en savoir plus, pour apprendre, pour comprendre. Vous êtes l'illustration de cette capacité à agir dans le monde tel qu'il est. Et donc, merci mille fois d'être là aujourd'hui. Et juste un mot pour vous dire que je vous quitterai avant là pour dire à tout le monde que je partirai malheureusement avant la fin, parce que nous sommes nous aussi bicontinentaux. Et je pars à Singapour dans un instant. Merci Jean-Michel Blanquer. Permettez-moi de dire quelques mots pour faire les présentations. Donc, Monsieur le Président, Directeur Général, vous êtes devant vous, notamment les 382 étudiants de la promotion de première année de l'ESSEC. Et, chers étudiants, vous avez donc devant vous, outre Joseph Maïla, dont vous avez fait la connaissance hier, Monsieur Carlos Ghosn, donc, qui est le Président, Directeur Général de l'Alliance Renault-Nissan.
Permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour prendre la mesure de ce dont il s'agit. Les deux constructeurs totalisent un chiffre d'affaires d'environ 130 milliards d'euros. Ils emploient à travers le monde plus de 420 000 personnes. Ils sont présents dans la quasi-totalité des pays de la planète, 196. Et ils ont vendu ensemble en 2015 8,5 millions de véhicules, soit plus de 10% des véhicules commercialisés cette année-là. Spécificité importante, Renault-Nissan a vendu à ce jour la moitié des véhicules à propulsion électrique dans le monde. Et c'est sans doute un sujet dont on parlera. Cet édifice, M. Ghosn a une responsabilité éminente dans sa construction. Il a rejoint Nissan en tant que directeur général en 1999, dans des conditions très difficiles, et il a réussi à redresser Nissan dans les années qui ont suivi. Il est revenu en France en 2005 pour devenir directeur général de Renault, sous la présidence alors de M. Louis Schweitzer, dont il a pris la succession en 2009. Alors au-delà de tous ces chiffres, et on pourrait en aligner beaucoup, ce qui nous intéresse en particulier et qui a motivé notre invitation, et merci à vous de l'avoir accepté, c'est que Renault et Nissan forment un partenariat interculturel qui compte sans doute parmi les plus fructueux, non seulement dans l'histoire de l'industrie automobile, mais peut-être dans l'histoire de l'industrie tout court. Vous avez fait de cette marque interculturelle quelque chose de fort, vous avez tenu que ce soit une alliance, vous avez tenu à marier les équipes, et cette attention prêtée à l'interculturel n'est pas pour rien dans le succès que l'on sait. Vous êtes vous-même né au Brésil, au Liban, vous êtes né au Brésil, vous avez passé une partie de votre vie au Liban, vous avez été éduqué en partie en France, vous êtes un polytechnicien, et cette attention à l'interculturel est très présente en vous. Je conclurai en vous citant, j'ai retrouvé un article que vous avez publié dans Le Monde, le 24 mars 2005, un peu avant votre retour en France. C'est intitulé « Dépassons nos frontières ». Et cet article qui a fait la une du Monde est très en ligne finalement avec les sujets qui nous rassemblent et que les étudiants travaillent au cours de ces 15 jours. Nous vivons dans un monde globalisé dans lequel certaines frontières demeurent, d'autres s'effacent. Et vous écriviez à l'époque « Le monde actuel, je vous cite, se construit sur le dépassement des frontières. Désormais, le contact est plus important que la séparation, l'échange plus enrichissant que la juxtaposition, la confrontation un moindre risque que l'indifférence et l'isolement. » Voilà peut-être certains thèmes dont vous voudrez nous entretenir. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Et je vous laisse entre les mains, mais les mains bienveillantes et expertes, de Joseph Maïla. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le professeur Colson, mesdames et messieurs, cher monsieur Ghosn. Laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai à vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce programme bien précis qui porte sur la mondialisation et dont vous inaugurez aujourd'hui la première conférence. Alors, comme convenu, le format est le suivant. Nous allons avoir une discussion. Enfin, vous allez répondre à des questions. La discussion ne sera pas de mon fait, mais du vôtre. Et pendant 20 à 25 minutes. Et puis, nous allons garder un maximum de temps pour l'échange avec la salle, avec les étudiants, que j'invite dès à présent à penser à leurs questions et aux questions qu'ils pourraient donc vous poser dans la foulée de vos réponses. Alors, cher monsieur Ghosn, la première question, c'est au fond la mondialisation. Le titre, c'est « Face aux défis de la mondialisation » et nous allons prendre aujourd'hui en particulier, nous allons parler de l'expérience de l'alliance Renault-Nissan. Mais je voulais vous poser une première question tout à fait subjective. Quand on est un grand patron, quand on est un grand industriel à la tête d'une grande entreprise, d'une grande alliance, comment on ressent, sur un plan, j'allais dire, presque subjectif, la mondialisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que c'est des frontières qui tombent? Est-ce que c'est des facilités de communication? Qu'est-ce que c'est que le vécu de la mondialisation pour quelqu'un qui est aux commandes d'une grande industrie? D'accord. Écoutez, d'abord, je parle en tant qu'entrepreneur. Hein, donc, c'est surtout sous cet angle que je réponds à la question. Puis vous me demandez de répondre de manière très, très subjective. Moi, je dis, mondialisation, c'est deux choses qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est ouverture et exigence. Voilà, c'est ça la mondialisation. Ouverture et exigence. Ouverture, c'est évident. Ouverture des marchés, ouverture sur les cultures, ouverture sur les opportunités. Il y a une notion d'ouverture qui est énorme. D'ailleurs, on dit
quand il y a un effort contraire à la globalisation, on ferme. On ferme les frontières, on ferme les échanges, on ferme, etc. Donc, il y a cette notion d'ouverture qui est très importante, qui d'ailleurs qui est pas récente, parce qu'il y a eu des vagues de mondialisation dans l'histoire de l'humanité qu'on peut citer. Mais celle qui vient d'intervenir est très importante pour une raison très simple, c'est parce qu'elle est appuyée très fortement par l'évolution technologique, on aura l'occasion d'en parler. Donc, ouverture. Et exigence, forcément, parce que dès que vous parlez d'ouverture, vous parlez de compétition, vous parlez de concurrence, et automatiquement beaucoup plus d'exigence. Donc, c'est ouverture et exigence. Ouverture, exigence, mais aussi contrainte et rivalité. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est les règles du jeu qui ont changé? Est-ce que la pression de l'opinion publique, à un moment donné, va venir aussi? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, dans tous les cas, il n'y a pas de mouvement de ce type qui se fasse dans l'harmonie totale, dans l'acceptation, ça n'existe pas. Il n'y a aucun mouvement aussi positif qu'il soit qui ne puisse à un certain moment être contesté. Pour une raison très simple, c'est que tous les mouvements humains entraînent des excès, tous les mouvements humains vont contrarier un certain nombre d'intérêts, et ceux qui subissent ces excès ou ceux qui subissent ou dont les intérêts sont vexés, forcément sont contre. Donc, je dirais, ça c'est tout à fait naturel. Mais ce qu'il faut, c'est au-delà des passions, des émotions, regarder qu'est-ce que objectivement apportent ces mouvements. Parce que finalement, nous ne sommes pas dans un domaine politique, nous sommes dans le domaine de l'entreprise. Et dans l'entreprise, ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est pas tellement ce qu'on pense. C'est même pas tellement ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est ce qu'on obtient. Ce qui est important, c'est la transformation de la réalité. C'est la performance, c'est la réalisation, c'est le résultat qui compte. Alors, donc, d'une certaine manière, l'entrepreneur ne peut pas être dans la même conception que le politique ou que le penseur, ou que, etc. Il n'est pas. Parce que lui, il regarde sous l'angle performance, réalisation. Dites-moi finalement vous valez ce que vous obtenez en matière de résultats. C'est notre credo à nous. Il n'existe pas de grands chefs d'entreprise avec des résultats minables. Ça n'existe pas. Donc, les grands chefs d'entreprise, ils sont jugés sur la croissance de leur entreprise, valorisation de leur entreprise, sur la profitabilité de leur entreprise, sur l'emploi créé dans l'entreprise, sur les impôts payés par l'entreprise. Il y a des résultats derrière. C'est comme ça que vous dites « Ah, c'est un grand patron. Ah, c'est un bon patron. » Vous ne dites pas « C'est un type qui est très bien. » Parce qu'il parle bien, il sort des grandes écoles, il est ceci, il se comporte bien, il parle telle langue. Non, ça, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est finalement, on regarde les résultats qui sont obtenus, et à partir de là, on en déduit qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont très bien. Donc, quand on regarde la mondialisation sous cet angle, il est évident que la mondialisation, même si elle va être freinée de temps en temps, elle va être déviée de temps en temps, il va y avoir des coups d'arrêt, des incompréhensions, indéniablement, elle va continuer. Sous une forme ou sous une autre. Peut-être pas sous la forme qu'on a connue au cours des dernières années, mais peut-être sous une forme différente, compte tenu des résistances que l'on rencontre aujourd'hui et à laquelle on attribue un certain nombre de problèmes à la mondialisation, justement, et d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la mondialisation, qu'on colle aussi sur le dos de la mondialisation. Donc, tout ça, ça vient dans le sens de, il faut regarder objectivement les effets, et en fonction de ces effets, se dire, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer ou pas ? Oui. Alors, précisément, sur les contraintes, sur le déroulement du mondialisation qui peut affronter des obstacles, qui peut avoir des conséquences, des retombées, notamment sur le plan social, est-ce que vous comprenez la frilosité qui peut accompagner certains milieux? Je ne parle pas de politique, mais je parle de milieux industriels, y compris en France. Mais bien sûr. Est-ce qu'on est frileux? Mais bien sûr. Mais je vais vous donner des exemples. C'est évident que la mondialisation implique... Puisqu'elle est plus exigeante, elle implique une certaine crainte. Vous savez, c'est la crainte tout à fait saine, tout à fait normale, tout à fait humaine de quelqu'un qui est un peu en compétition. Bon, de dire, finalement, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais confirmer que je suis la personne la plus valable pour faire telle ou telle tâche? C'est tout à fait normal. Mais attention, en face de cette exigence qui provoque une certaine crainte des acteurs, il faut savoir qu'il y a un avantage énorme pour le consommateur. Il faut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait qu'au cours des dernières années, tout d'un coup, l'inflation a disparu. Malgré toutes les tentatives d'inonder les marchés avec des capitaux, des taux d'intérêt négatifs, je dirais la facilité avec laquelle les entreprises peuvent emprunter, etc., les conditions. Et toutes les banques centrales, aujourd'hui, sont en train d'essayer de réveiller l'inflation, ce qui est assez extraordinaire, parce que quand nous étions gamins... Ils passaient leur temps à vouloir lutter contre l'inflation. Absolument. Ils faisaient tout pour que l'inflation baisse à 10%, 5%. Bon, actuellement, ils font tout pour la réveiller. La Banque centrale japonaise, elle essaye d'arriver à 1 ou 2%, ils n'y arrivent pas.
La banque américaine, la Fed, elle essaie aussi de réguler l'inflation, la BCE, etc. Et pourquoi ça? Je vais vous dire qu'il y a une résultante qui provient du fait que l'ouverture des marchés, la globalisation, qui entraîne l'exigence et la compétition, fait que, certes, il y a un certain freinage qui se fait au niveau des salaires, mais il y a aussi beaucoup de freinage qui se fait au niveau des prix. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amélioration, il y a une sorte de compétition qui se fait, mais qui se fait des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien de ceux qui travaillent qu'au niveau de ceux qui consomment. Donc, en tant que France, mais la France vue sous le côté de son tissu industriel, de ses capacités à produire, à exporter, on a des atouts, on n'a pas d'atouts, qu'est-ce que vous ressentez dans... Premièrement, dans la globalisation, dans la mondialisation, on est en compétition. On est en compétition. Vous ne pouvez pas ouvrir les frontières et dire « Ah bon, ben, je veux les avantages ». Non, vous ouvrez les frontières, vous les fermez. Si vous les ouvrez, vous avez des avantages, mais vous avez des exigences. Vous pouvez dire « Moi, je veux les avantages sans les exigences », ça n'existe pas. Bon, donc, et à ce niveau-là, tous les pays sont traités à la même enseigne. Alors, il y a ceux qui gagnent beaucoup dans la mondialisation, ben, c'est ceux qui n'avaient rien. Ceux qui n'avaient rien. Ben, ceux qui n'avaient rien, c'est aujourd'hui... 80% de la population mondiale. Hein. C'est les puissances émergentes. C'est tous les pays émergents, les pays en développement. Il n'y a qu'à voir ce que était la Chine il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que l'Inde était il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que le Brésil était il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que la Russie était il y a 15 ans, ce qu'elle est aujourd'hui. Et je vous nomme des pays comme l'Iran, etc. Il faut voir ce que c'est. Il faut voir ce que c'est. Donc, il y a eu des grands gagnants, d'une certaine manière, parce qu'on partait de très, très bas. Mais il y a aussi beaucoup plus d'exigences sur les pays développés, parce que la croissance, maintenant, n'est pas quelque chose qui vient par elle-même, c'est quelque chose qui doit se mériter. Alors, il y a des atouts, évidemment qu'il y a des atouts. Il y a énormément d'atouts. Sinon, toutes les grandes entreprises iraient s'installer je ne sais plus où, ce n'est pas le cas. Les grandes entreprises font des arbitrages, elles font des arbitrages qui sont des arbitrages rationnels, et dans ces arbitrages rationnels, elles font un partage des tâches dans lesquels chacun des pays, notamment les pays développés, essentiellement prennent en compte un certain nombre de décisions qui sont plus en ligne avec leur niveau de développement, avec l'embauche qu'on y fait, etc. Bon, c'est le cas de Renault dans le cadre de la France, c'est le cas de Nissan dans le cadre du Japon. Alors, évidemment, on est maintenant partout et on se développe partout. Renault vient de rentrer en Chine, Renault vient de s'installer en Inde, Renault a de gros investissements en Russie, ça n'a pas du tout vidé la France, au contraire. Aujourd'hui, on continue, on se développe en France, on embauche en France, mais on ne le fait pas n'importe comment. On le fait de manière à ce que ce soit durable. Et pour que ce soit durable, il faut que ça fasse du sens. C'est-à-dire qu'il faut créer en France ce qui correspond aux forces de la France, et il faut créer dans d'autres pays ce qui correspond à la force d'un certain nombre de pays. Alors, il y a quelque chose qui est très... Alors, je parle là aussi en tant qu'entrepreneur. Il y a quelque chose aussi qui est absolument indéniable, en tous les cas pour notre industrie, c'est que vous ne pouvez plus produire loin de vos marchés. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est facilité par la globalisation. Aujourd'hui, 96% des voitures vendues en Chine sont produites en Chine. 96 ou 97% des voitures vendues en Inde sont produites en Inde. Pratiquement, la Russie, avec la dévaluation du rouble, plus de 97 ou 98% des voitures vendues en Russie sont fabriquées en Russie. C'est fini. Le modèle dans lequel vous êtes basé quelque part, puis vous exportez vos produits, c'est fini. Hein. Ça, c'est valable pour des niches, pour un certain nombre de composants très pointus, etc. Mais si vous voulez vraiment... Là encore, je parle de l'entreprise qui se préoccupe de sa durabilité. Oui. Hein. On est en train de parler de sustainable performance. On n'est pas en train de parler de faire des trucs pour s'en sortir sur les 3 prochains mois ou un an, etc., etc., et qui finalement ne vont pas très loin. Hein. Mais sur le long terme... Non, mais attendez, mais on est entouré de catastrophes industrielles, on les voit. On les voit. Oui. Et bien, quand vous allez à l'origine de ces catastrophes industrielles, ça ne fait pas un pli. Ce sont des décisions souvent qui sont prises sans tenir compte du moyen et du long terme. C'est tout. De temps en temps, un chef d'entreprise est à prendre des décisions difficiles, dans lesquelles, apparemment, on dit « Ah, sur le court terme, c'est un peu gênant ». Oui, mais ce n'est pas grave, parce que finalement, nous, notre responsabilité, c'est la durabilité de l'entreprise. C'est la croissance et la performance de l'entreprise dans le temps. Donc on est obligé tout le temps de faire des arbitrages entre court terme, moyen terme et long terme, et de temps en temps, et ça c'est le plus difficile, c'est quand vous prenez des décisions qui avantagent le long terme et qui sont au détriment du court terme. Parce que là vous avez tout le monde sur le dos. Et vous avez intérêt à avoir
avoir raison. Ben, je vous donne des exemples, le lancement de la voiture électrique. On va en parler. Oui, non, mais ça, c'est le type d'investissement dans lequel vous partez sur un investissement dont vous êtes convaincu que sur le long terme, c'est le bon, mais contre vous, vous avez tous les sceptiques, les académiciens, les machins qui vont vous dire que ça ne va pas marcher, etc., plus vos actionnaires qui sont affolés en disant « Oh là là, il va mettre 2-3 milliards d'euros pour développer la voiture électrique, ils sont les seuls à le faire, est-ce que ça va marcher ou pas ?» Donc vous avez pratiquement beaucoup de résistance sur le court terme. Et alors, pour terminer sur la mondialisation, tout le discours qui se tient, alors je sors un petit peu du domaine de l'entrepreneuriat, oui, sur les retombées de la mondialisation, le dysfonctionnement, faut-il réguler la mondialisation ? Un entrepreneur comme vous, vous envisagez les choses comment ? Vous voyez bien sûr les choses sous l'angle de la rivalité, de la compétition, mais il n'y a, oui, pas que ça, je enfin, suppose, qui... Par définition, dans une vision. Par définition, un entrepreneur, quand il entend régulation, il n'est pas très content, quoi. Je veux dire, quand on commence à dire il faut réguler ceci ou cela, on dit oh là là. Sauf qu'il peut, qu'est-ce qui va nous tomber ? Bon, un entrepreneur, il préfère bien la liberté d'entreprendre. Dans un certain nombre de règles, qui sont des règles de fair play. Fair play, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le fair play ? Bah, le fair play, c'est-à-dire, vous savez que dans le cadre de la gestion du commerce international, de temps en temps, il y a des avantages qui sont donnés à un certain nombre de pays pour favoriser leur développement. L'Europe a signé des accords avec des pays en voie de développement qui ne sont pas complètement équilibrés, ce qui est un peu normal. Hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation du rapport des forces. Bon, le fair play, c'est ça, c'est de dire, bon, n'en donnez pas trop quand même. Hein, n'en donnez pas trop quand même, il faut que ce soit fair, c'est tout. Mais une fois que les règles de fair play sont assurées, eh bien, dans ce cas-là, ben, il faut laisser l'entrepreneur faire le boulot. Hein, faire le boulot. Et d'ailleurs, moi, je constate que la jeunesse actuelle, la génération actuelle, va essentiellement sur les petites entreprises, c'est-à-dire sur les start-up, sur les petites entreprises, et beaucoup moins dans les grandes entreprises. Vous le regrettez ou... Ben non, je peux vous dire... En tant que patron qui recrute... Non, attendez, moi je ne le regrette pas. Sur 4 enfants, j'en ai 3 qui font ça, donc je ne peux pas dire que je le regrette. Je vois très exactement quelles sont leurs tendances, quelles sont leurs motivations, et on va dans ce sens-là. Pourquoi ? C'est la liberté d'entreprendre, c'est la possibilité de s'enrichir, de devenir autonome, etc., avec aussi assumer le fait qu'on peut se planter. Il ne faut quand même pas oublier que 9 startups sur 10 ne voient pas le jour, enfin, ou dire à un certain moment. Bon, ils prennent ce risque, les jeunes veulent prendre le risque. Ils bossent beaucoup plus que dans une grande entreprise, ils touchent souvent beaucoup moins que dans une grande entreprise, mais ils le font quand même. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que cette génération, et d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui en France, aux États-Unis, etc., on le voit au Japon, en Chine, en Inde, partout. Ça veut dire que finalement, ce sens de vouloir entreprendre dans le sens de « je suis avec ma petite équipe et je veux contribuer au changement technique, social, service, etc. », c'est très fort. C'est très fort. Et là, on ne veut pas de régulation, on ne veut pas des gens qui nous disent « voilà, toutes les règles ». On veut un espace dans lequel on puisse innover, changer, en respectant un minimum de règles, ça oui. Écoutez, le temps passe. Merci beaucoup pour cet éclairage et pour cette perception, en quelque sorte, cette appréhension, cette manière d'appréhender, en tout cas, la mondialisation. Je voudrais passer à un deuxième type de questions qui porteront sur l'alliance Renault-Nissan. Comment va Renault-Nissan ? Ben, écoutez, moi, évidemment, pour moi, ça va bien, mais il faut regarder les performances. Hein. Je dirais, sur les 6 premiers mois de l'année, Renault a une croissance de 13% de son chiffre d'affaires. Ce qui est pas mal, a fait des profits très importants. Nissan aussi a fait une croissance moindre que celle de Renault, mais significative, avec une grande profitabilité. Et surtout, ce qui est important, c'est que, bon, on continue à manœuvrer stratégiquement. Comme vous savez, nous avons fait un bid pour acheter 34% de Mitsubishi Motors. On est actuellement en pleine due diligence, qui devrait se terminer bientôt. J'espère que Mitsubishi va rejoindre l'alliance. Ça deviendra donc Renault, Nissan, Mitsubishi. Ça représentera plus de 10 millions de voitures sur la base des prévisions de vente de cette année. Un impact plus important, une contribution plus importante à l'industrie automobile. Alors, dans les recettes du succès, je vous ai lu il y a une dizaine d'années dans votre livre sur Citoyens du Monde, mais... vous mettiez en avant, et ça intéresse beaucoup nos étudiants, cette perception, cette gestion ou cette manière de gérer une entreprise par une approche multiculturelle qui est extrêmement spécifique et différenciée. Pourriez-vous nous dire en quoi
la culture ou le mix de cultures, en l'occurrence, est un atout dans le succès de l'Alliance. Écoutez, d'abord l'Alliance elle-même. L'Alliance elle-même n'est pas un attelage classique, puisque dans les entreprises, quand deux entreprises se rapprochent, il y en a une qui acquiert l'autre ou qui est acquise par l'autre, et c'est comme ça que les mariages se font sur le long terme. Il y a très très peu de cas dans lesquels deux entreprises travaillent longtemps ensemble et de manière constructive sans que l'un soit gagnant et l'autre perdant, l'un est acquis et l'autre est acquéreur. Ça n'existe pratiquement pas. Le même patron peut-être ou... Non. Renault et Nissan n'ont pas toujours eu le même patron, puisque quand l'Alliance a été signée en 1999, il y avait deux patrons. Il y avait un patron pour Renault, un patron pour Nissan. Et puis nous avons dit dès le départ que ce serait un partenariat, que ce n'était pas un rapport de force entre les deux entreprises. Et nous avons toujours tenu parole, c'est-à-dire 17 ans après le lancement de l'Alliance, nous sommes toujours là, les deux entreprises ont leur propre entité de commandement, il y a deux comités exécutifs, il y a deux conseils d'administration, il y a deux actions très différentes, l'action Renault qui est cotée à Paris, l'action Nissan qui est cotée à Tokyo, et ceci n'empêche pas que les deux entreprises de travailler ensemble, de développer beaucoup de synergies ensemble et d'avoir beaucoup de communalités. Ça marche tellement bien que finalement, bon, les Russes sont venus s'adjoindre à l'attelage avec Avtovaz. Nous avons signé un accord de coopération stratégique avec Daimler, avec échange d'actions d'ailleurs, nous avons 3% de Daimler, Daimler a 3% de l'Alliance, avec développement de produits en commun, sans que forcément l'autonomie d'une entreprise soit entachée. C'est-à-dire, on peut travailler ensemble sans que forcément il y en a un qui soit acquéreur de l'autre ou en position de citoyen de première catégorie par rapport à des citoyens de deuxième catégorie. Il y avait beaucoup de doutes en disant combien de temps ça va marcher, ou bien ça dépend d'une seule personne, etc. C'est pas vrai. Vous ne travaillez pas comme ça pendant 17 ans en produisant des résultats s'il n'y avait pas quelque chose de profondément, de profond dans cette relation. Or, ce qui est profond dans la relation aujourd'hui, et d'ailleurs on peut extrapoler des entreprises vers les sociétés, c'est que la chose qui est la plus importante, c'est le respect de l'identité. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre, nous avons des cultures différentes. Je ne sais pas, le directeur de l'ESSEC était en train de me dire que vous aviez 35% d'étrangers à l'ESSEC, qui avaient la volonté d'en avoir un peu plus. Vous avez des gens qui viennent d'origines différentes, vous en avez qui sont passés par les grandes écoles, d'autres qui viennent sur diplôme. Vous avez une très grande diversité, il faut la gérer, cette diversité. Cette diversité, ce n'est pas un handicap, c'est une force. Mais c'est une force à condition de l'accepter, de la valoriser. Si vous dites, oh là là, la diversité, attention, on ne peut pas parler la même langue, on ne mange pas la même chose, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes priorités, vous êtes déjà dans une position défensive, vous êtes déjà en train de vous braquer sur les faiblesses de la diversité par rapport à ses forces. Par contre, si au contraire vous dites, moi, travailler avec quelqu'un qui est différent de moi, hein, qui n'a pas le même âge, qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même formation, qui n'a pas le même sexe, etc., etc., eh bien, c'est quelqu'un qui va m'apprendre, parce qu'il est différent, il réagit de manière différente devant n'importe quel acte. Eh bien, ça, c'est source de richesse, parce que quelque part, il va me donner des idées, je vais lui donner des idées, nous allons regarder ensemble un problème, nous n'allons pas voir de la même façon, nous allons forcément apporter des solutions plus riches. Ça, c'est plus difficile, forcément. C'est plus difficile. Hein, vous savez, quand vous mettez deux ingénieurs, un Français et un Japonais, pour travailler ensemble, ils mettent du temps pour collaborer. Pourquoi ? Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes références. Ça prend du temps, c'est vrai, il y a un investissement de départ. Mais après, c'est beaucoup plus puissant, parce que les solutions qui sortent sont de meilleure qualité et elles sont beaucoup plus riches, parce qu'elles sont le résultat de deux cultures. Bon. Alors, vous pouvez multiplier ça par 3, par 4 ou par 5. Donc, ce que je suis en train de vous dire, la diversité, elle est difficile. Elle est difficile. C'est une réalité qui est difficile. Bah, vous savez très bien, vous-même, bon, je dirais, en général, quand vous voulez sortir, vous avez envie d'avoir des copains du même âge que vous, qui sont de la même formation, du même, etc., etc. Vous cherchez l'uniformité parce que c'est un endroit où vous êtes confortable. Par contre, dès qu'il y a diversité, c'est plus compliqué. Sauf que, dans le management, d'abord, la diversité est une réalité, la réalité de la mondialisation, mais deuxièmement, souvent, les solutions qui sortent du travail dans la diversité sont beaucoup plus riches et beaucoup plus fortes et beaucoup plus durables. Alors comment on marie une culture de diversité sur laquelle on mise, qui est un atout, avec la nécessité du commandement ? Oui. Alors, parce que là, il y a une décision à prendre. Oui. Il y a, non, ben alors, tout... alors, je vais vous dire, première chose, pour accepter la diversité, il faut que l'identité soit respectée. Ça paraît simple, hein, mais personne ne va accepter la diversité si son identité est menacée. Personne. Hein, tout, mais d'ailleurs, c'est valable non seulement au niveau de l'entreprise, c'est au niveau des États. Toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui sont souvent à la base, il y a le reni d'une identité. Il y a quelque part quelqu'un qui se sent menacé. Et donc, il ne va pas collaborer tant qu'il se sent menacé.
C'est à la base de beaucoup de conflits. Et au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, il faut d'abord commencer par dire respect des identités. Et les identités sont différentes. C'est reconnu dans la diversité. On respecte les identités. Hein. Le Japonais qui travaille chez Nissan, il est chez lui au Japon, et on ne va pas remettre ça en cause. Le Russe qui travaille dans Avtovaz, il est chez lui à Togliatti, on ne va pas remettre ça en cause. Le Chinois qui travaille, etc. Donc, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de citoyens de première catégorie, deuxième et troisième catégorie. Il y a des gens qui sont unis ensemble par un projet commun et pour lesquels ils sont évalués en fonction de leur contribution à ce projet. C'est tout. Alors, évidemment, en général, les gens disent, oui, langue de bois, il dit ça, il va faire autre chose. Donc, c'est pourquoi, mais c'est pourquoi la durée est importante. Hein. Et les gens ont dépassé le discours. C'est fini. Aujourd'hui, le discours, il est dévalorisé par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose et qui font autre chose. Donc, les gens, ils veulent regarder, bon, finalement, est-ce qu'il agit en fonction de sa parole? Et puis derrière, est-ce qu'on obtient des résultats? Est-ce que c'est efficace? Donc, pour moi, la diversité, elle est basée, la diversité d'une force, à partir du moment où elle se base sur le respect de l'identité. Ça, c'est très important. Respect de l'identité nationale, mais respect aussi de l'identité entrepreneuriale. Parce que vous avez cette double identité qui joue. Hein. Vous avez le fait que, par exemple, il y a beaucoup de Renault qui sont français et Renault. Il y a deux cultures. Et vous avez la plupart des Japonais sont japonais et Nissan. Il y a deux cultures. Il faut respecter les deux. Il faut respecter Renault, il faut respecter Nissan, il faut respecter la France, il faut respecter le Japon. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Écoutez, merci pour ces réponses. Je vois l'heure qui tourne et donc il nous reste une troisième question pour respecter le chemin de fer qu'on avait établi au départ. L'avenir de Renault, l'avenir de l'automobile au-delà de Renault, c'est quoi? Est-ce que vous ressentez les contraintes, les contestations écologiques, l'opinion publique qui se soucie beaucoup de... Oui, oui. Non, mais il y a beaucoup de contraintes, mais il y a surtout beaucoup d'opportunités. Hein. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, quand j'ai rejoint Constructeur Automobile, on était dans une période dans laquelle les gens se disaient « Ah, mais la voiture, ça devient une commodité, finalement, tout ça, ça va passer dans les pays en voie de développement, c'est le moins cher qui va gagner, etc. etc. » C'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui se profile aujourd'hui? Quand vous regardez notre produit, je parle de notre produit d'abord, hein, parce que c'est finalement, nous faisons d'abord des produits et puis nous vendons des services. Mais notre produit, il va être de plus en plus électrifié. Émission, zéro émission. Voiture électrique, hybride, plug-in hybride, etc. Il va être de plus en plus connecté. Plus personne n'a envie de monter dans une voiture dans laquelle il ne peut ni téléphoner, ni communiquer, ni avoir son email, ni voir, etc. C'est fini ça. C'est du passé. Donc, changement très profond au niveau de l'électronique de bord. Troisièmement, autonome. Beaucoup de gens ont envie de dire, il y a un moment, j'ai envie que la voiture me conduise plutôt que de conduire. Quand je suis dans un embouteillage en ville, quand je suis dans un trafic routier intense sur l'autoroute, je n'ai pas envie de conduire. Et tout ça, ça vient. Tout ça, ça vient. C'est des changements colossaux au niveau du produit, c'est des changements colossaux au niveau des compétences du constructeur automobile. Mais là, je ne suis pas en train de parler de Star Wars dans 20 ans. Hein. Je suis en train de vous parler de voitures qui vont arriver en 2019-2020. Et le seul doute sur toutes ces technologies, je ne parle pas de l'électrique, l'électrique est déjà là, mais sur la voiture connectée et autonome, le seul doute, c'est est-ce que le régulateur va accepter que vous conduisiez votre voiture avec vos mains dans les poches ou autre part, et avec votre regard à l'intérieur de la voiture, plutôt à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de faire ça. Hein. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la voiture et que la voiture est en mouvement, vous êtes obligé d'avoir les deux mains sur le volant et vous êtes obligé de regarder la route. Sinon, vous êtes verbalisé. Bon. Donc, ça, c'est la conduite légale. Et vous n'avez pas le droit de détacher. Donc, si vous développez des voitures autonomes, des voitures connectées, mais que vous n'avez pas le droit d'enlever ni vos mains du volant, ni votre regard sur la route, ça ne sert à rien. Je suis en train de rajouter des coûts et de la technologie dans la voiture, et vous n'aurez aucun avantage. Par contre, le jour où le régulateur me permet, sur la base des technologies qu'on met dans la voiture, d'enlever vos mains du volant, d'enlever votre regard, là vous pouvez envoyer vos emails, vous pouvez faire une vidéoconférence, vous pouvez faire la leçon à votre fils ou à votre fille dans la voiture, vous pouvez consulter un médecin, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Et sur un plan technologique, nous sommes déjà à ce stade. Ah, oui. Les briques nécessaires pour que cette fonctionnalité existe sont là. Hein. Et tous les constructeurs automobiles sont en train de construire ces briques. Il y a déjà des prototypes qui fonctionnent, nous en avons plusieurs, un certain nombre de constructeurs en ont. Mais attention, pour que vous voyez ça sur la Scénic de Renault ou sur la Clio de Renault, il faut d'abord que les régulateurs vous permettent de conduire dans ces conditions. Ça, ce n'est pas encore fait. Il faut beaucoup de preuves, comme vous le savez. Ils sont très tatillons et c'est normal, parce que c'est la sécurité publique et c'est leur responsabilité. Et il faut faire beaucoup de tests sur les voitures, parce que s'ils regardent, c'est le 1% de chance que quelque chose
va de travers. Alors, quand on est dans des pays dans lesquels le code de la route est respecté, dans lesquels la signalisation est claire, dans lesquels la cartographie est actualisée, il y a moins de problèmes. Quand vous allez dans certains pays émergents où la cartographie n'est pas ajustée, où les gens ne respectent pas le code de la route, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Les routes ne sont pas là. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Ça implique beaucoup de choses en termes de prospective, mais en termes d'investissement aussi dans le R&D. Qu'est-ce que c'est que le R&D de Renault Écoutez, entre Renault et Nissan, aujourd'hui, nos investissements, nous investissons à peu près 8 milliards d'euros par an. Nous sommes de très gros investisseurs de technologie. Hein. L'industrie automobile, d'ailleurs, en Europe, est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier investisseur en technologie de l'Europe. Donc, nous sommes de gros investisseurs. Le constructeur automobile, dans le temps, était fait par essentiellement des gens qui assemblaient des voitures et marginalement des gens qui les concevaient. Aujourd'hui, l'ingénierie, et la technologie, les gens qui écrivent des programmes, ça devient une population extrêmement importante. Donc ça suppose un nombre considérable d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de marketeurs. Parce que attention, il y a tout le côté aussi ergonomie, parce que les technologies, il faut la vendre, il faut l'expliquer, il faut la mettre en valeur, il faut présenter un certain nombre d'avantages. Et ça, c'est quelque chose qui demande de plus en plus de connaissances et d'aptitudes et de talents en matière de marketing. Écoutez, merci beaucoup pour ces réponses. Nous sommes arrivés juste à la moitié de cet entretien. Nous allons tout de suite donner la parole, si vous en êtes d'accord, aux étudiants et à toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle. Je vous demande une chose, s'il vous plaît, si vous avez eu des questions, je vous invite à en avoir beaucoup. Levez-vous, présentez-vous et posez une question. Oui, alors je vois deux mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a un micro ? Combien d'ingénieurs à Renault Pardon ? Combien d'ingénieurs à Renault, puisqu'on avait fini un peu sur la aujourd'hui, question. Aujourd'hui ? Oui. Oh, ben c'est en 12 et 15 000. Ça dépend ce que vous appelez ingénieur, parce que vous avez des classifications d'ingénieurs différentes selon les pays. On a des gens qui sont techniciens ingénieurs, on a des ingénieurs, etc. Mais la population est en 12 et 15 000. On a trouvé un micro. Merci. Je m'appelle Hugo, puisqu'il faut que je me présente. Moi j'ai une question à propos du régulateur, vous en avez parlé. Justement, est-ce que le fait que le régulateur soit un frein justement à prendre des décisions de long terme, comme justement se lancer dans des technologies qui remettent en cause la sécurité, par exemple, c'est pas dû au fait qu'il a peur de ne plus être indispensable, c'est-à-dire que les gens finalement se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de ce régulateur et justement dans ce cas-là, est-ce que le but de la mondialisation c'est pas de dépasser ce besoin d'avoir tout le temps de la régulation? Là, vous parlez de la régulation technique. Oui. Non, vous parlez de la régulation technique, on en a besoin, hein, c'est très important. Même les constructeurs en ont besoin. Et le régulateur qui est l'État sur la conduite, c'est ça? Non, il parle de régulateur, je suppose, de celui qui définit qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, quelle technologie peut aller sur le marché ou celle qui ne peut pas aller sur le marché, quand est-ce que la technologie... Celui-là, on en a besoin pour une raison très simple, parce qu'il y a une bagarre énorme entre les constructeurs, chacun vient avec sa technologie, avec ses moyens, et quelque part, il faut quand même quelqu'un qui décide qu'est-ce qui est acceptable, quelle est la norme. Vous voyez, par exemple, toute la discussion sur les émissions aujourd'hui. Quel niveau d'émission acceptable, quel niveau d'émission qui n'est pas acceptable? Je dirais, le constructeur, il ne peut pas définir ça. Il est obligé aujourd'hui de se détourner vers l'autorité en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon, et en disant, je peux émettre combien avec cette technologie? Et c'est le régulateur qui décide. C'est lui qui décide. Et vous avez besoin d'un régulateur parce que vous ne pouvez pas être dans une situation dans laquelle, par exemple, en matière d'environnement, vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise, qui soit accepté par tout le monde. Et la seule entité acceptée par tout le monde aujourd'hui, c'est l'entité qui est élue ou celle qui émane d'une entité élue. En Europe, c'est la Commission européenne. Au Japon, il y a une administration, etc. Et qui dit qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce que sinon, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de légitimité à tel ou tel niveau. Et d'autant plus que souvent, en matière d'émissions, c'est évolutif. C'est-à-dire, aujourd'hui, tant de grammes, c'est acceptable. Mais demain, attention, je veux moins. Et dans 2 ans, je veux moins. Il faut quelqu'un qui soit... dont l'autorité ne soit absolument pas discutable, qui décide qu'est-ce qui est acceptable,
quel est le niveau de progrès que la société souhaite, avec toutes les conséquences au niveau de l'industrie et au niveau de la consommateur. Non, les entreprises ne souhaitent pas se débarrasser du régulateur. Au contraire, le régulateur est extrêmement important pour légitimiser la performance de l'entreprise, notamment quand il s'agit d'éléments tels que la sécurité. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Est-ce qu'il faut 2 airbags? Est-ce qu'il faut 4? Est-ce qu'il faut 6? Certains pays disent 2, d'autres 4, d'autres 6, etc. Et quel niveau d'émission qui est acceptable en France par rapport à celui qui est acceptable par l'Inde, en Inde? L'entreprise ne peut pas définir ça. C'est à l'autorité locale de dire « Moi, je veux que toutes mes voitures ne consomment pas plus de temps et je veux que ça évolue de telle façon. » Donc, c'est fondamental, le régulateur. Une autre question, s'il vous plaît, oui. Et bonjour. On ne va pas rester dans l'allée centrale. Je m'appelle Mathieu, je suis franco-brésilien aussi. Bon, ça, c'est un détail. J'avais une question. En fait, vous parliez de la mondialisation, notamment que donc, ça implique l'ouverture et aussi l'exigence. Et que cette exigence impliquait aussi le respect des identités. Et je me demandais en quoi est-ce que vous jugeriez pertinent qu'on vous compare à Alexandre Le Grand, qui est respecté aussi. Enfin, vous êtes défini en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous jugeriez pertinent cette comparaison? Vous avez des projets de conquête. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Je ne pense pas. D'autant plus qu'il y a des journalistes dans la salle, donc vous imaginez ce qu'ils vont écrire. Non, on revient. Bon, oui. Alors, non, revenons à la question. Non, je vais vous dire pourquoi c'est exigeant, et je vais parler du Brésil, parce que c'est un fait réel. Bon, comme vous le savez, le Brésil est en pleine évolution, c'est un marché qui est en plein développement, et moi j'avais eu l'occasion d'expliquer au plus haut niveau des autorités au Brésil il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, puisqu'on vient d'investir, on a investi une usine. Enfin, Renault est au Brésil depuis 1997, mais Nissan vient de s'implanter il y a quelques années dans l'État de Rio. Et à l'occasion de l'investissement dans l'État de Rio, j'avais eu l'occasion de dire, attention, la compétitivité du Brésil est en train de se dégrader. Et j'avais cité un exemple, exigence, on parle de l'exigence. Parce que le Brésil, comme vous le savez, c'est quand même un marché qui est encore protégé. Il y a encore des barrières douanières, il y a des tas de choses. Mais sauf que la protection, elle entraîne la complaisance, forcément. Je vous donne un exemple. J'avais expliqué au président de la République, à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, il n'est quand même pas normal que nous, en tant que Renault et Nissan, nous achetions l'acier au Brésil, l'acier, à des fournisseurs coréens. Ça veut dire, suivez le circuit, le fer sort du Brésil. Il est mis sur un bateau. Il traverse toute la planète. Il est transformé en Corée, dans les aciéries coréennes. Il est remis sur le bateau. Il revient au Brésil. Il paye des taxes, il arrive moins cher que l'acier brésilien. J'ai dit un exemple très simple. J'ai dit, écoutez, le Brésil a un problème, et ce problème est un problème de compétitivité. Si nous ne traitons pas le problème de compétitivité, eh bien, le jour où les frontières vont s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout un pan de l'industrie brésilienne vont s'effondrer parce qu'ils ne tiendront pas le choc. Oui. Ben, ça, c'est un discours d'exigence, forcément, parce que vous êtes en train de dire, écoutez, arrêtons le protectionnisme outrancier d'un certain nombre d'activités au Brésil, parce que les entreprises qui en bénéficient, ça les rend paresseuses, en disant, bon, bah, finalement, ça marche bien, mes coûts sont trop élevés, machin, je ne crains pas trop la concurrence, parce que j'ai des tarifs, etc. Sauf que quand vous arrivez dans des situations dans lesquelles quelque chose qui, de manière complètement illogique, traverse la planète, paye des taxes, etc., etc., paye la logistique, et arrive à des niveaux de prix inférieurs, vous avez un sacré problème. Ça, c'est l'exigence. L'exigence, c'est de regarder la réalité en tant que telle et d'essayer de trouver des solutions avant qu'il soit trop tard. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Enfin, je dirais, aujourd'hui, le Brésil est dans une récession profonde. Elle n'est pas que politique, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a aussi des raisons de non-compétitivité qui se sont accumulées pendant des années. Et malheureusement, la crise politique est en train de le cacher. Ceci n'est pas uniquement un problème de légitimité, etc. Non. Il y a ce côté-là. Mais derrière ça, il y a un problème de non-compétitivité du Brésil qui n'a pas été embrassé. Et pour lesquels nous avons alerté les autorités en donnant des exemples, en disant « ça n'est pas possible, voilà ce que nous subissons ». Voilà. Voilà, je vous donne un exemple d'exigence. Vous ne pouvez pas ouvrir vos frontières, participer à la mondialisation et continuer à travailler comme avant. Ça n'existe pas. Il va falloir vous transformer. Il faut que vous soyez plus compétitif. Il y a de l'exigence. Mais attention, c'est une exigence qui va aussi rapporter aux consommateurs brésiliens. Parce que ce n'est pas une question de « Ah oui, mais attendez, vous comprenez, la mondialisation, il va y avoir une pression sur les salaires, il va falloir travailler plus. » Oui, mais à côté de ça, à cause de la mondialisation,
ben, il y a tout un tas de produits que vous payez beaucoup moins cher que vous auriez payé si on avait fermé les frontières. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat, il s'améliore. Parce que certes, il y a une limitation des salaires, mais d'un autre côté, il y a aussi une très forte limitation des prix. Pensez un instant sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le plan financier. Quand vous voyez des montants énormes qui sont mis sur les marchés par les banques centrales, il n'y a pas d'inflation. Contrairement à tout ce que des tas de gens avaient prévu, que l'inflation, des assets, etc. Il ne se passe rien. Ils ne savent plus comment faire. Ils parlent d'hélicoptères, hein, si vous voulez jeter de l'argent et le distribuer gratuitement pour relancer la consommation. Ils n'y arrivent pas. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que cette exigence fait que les prix, malgré les apports technologiques massifs, sont stables. Et que le consommateur a la possibilité de faire pression sur les prix. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Sur votre question. Gauche. Oui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Adnan et merci d'être là. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit qu'on juge un bon patron sur la croissance, sur les résultats de son entreprise, mais aussi sur le nombre d'emplois créés. Et pourtant, quand j'ai vu, vous êtes connu sous le nom de le tueur de coups et vous avez sauvé Nissan de la faillite, justement à travers une réduction des effectifs. Et là, j'ai repéré ce petit paradoxe, en fait. Est-ce que des fois, il faut privilégier la croissance au risque de détruire des emplois et des familles? Non, ça, c'est une très bonne question. Et on va revenir à la renaissance de Nissan et au programme de Nissan en 1999. Comme vous savez, Nissan en 1999 est une entreprise qui ne faisait pas de profit, qui avait 20 milliards de dollars de dettes. Et Nissan était au bord de la faillite pour une raison très simple, c'est que les banques ne voulaient plus payer. C'est comme ça que d'ailleurs que les entreprises font faillite. C'est qu'à un moment, vous n'arrivez plus à avoir de l'argent, c'est tout. Bon, donc vous asphyxie financière, vous êtes obligé de vendre des assets, de démanteler l'entreprise. 1999. Deux plans de transformation de Nissan avaient été essayés, aucun n'avait marché. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'avait pas appliqué. Il n'avait pas appliqué en disant, oula, mais vous comprenez, réduire les effectifs, on ne peut pas faire, fermer une usine au Japon, ça ne se fait pas. Donc finalement, à force de dire, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est l'ensemble de l'édifice qui était menacé. Il y avait, en 1999, 140 000 emplois chez Nissan. 140 000 emplois, ok? Bon, moi quand je suis parti, c'est pour redresser Nissan. Si je ne voulais pas redresser Nissan, je serais resté en France. Ce n'est pas la peine d'y aller pour dire « Ah oui, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela », parce que si vous dites « Je ne peux pas faire ceci, pas faire cela », il ne faut pas accepter le job. Parce que le job était « Il faut transformer l'entreprise, il faut faire revivre l'entreprise ». C'est ça le job. Ce n'est pas « Ah oui, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela », parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est même pas la peine, vous restez en France. Donc quand je suis parti, j'ai examiné la situation, je me suis dit « Bon, ben, c'est très simple, hein. Pour faire revivre cette entreprise, on est obligé par prendre des décisions qui auraient dû être prises depuis très longtemps, mais parce qu'elles n'ont pas été prises depuis très longtemps, qui se sont aggravées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, si vous jugez le plan de Nissan sur un an, vous dites, oulala, ça a été un massacre. Sur un an. Si vous le jugez sur 3 ans, c'est différent. Et si vous le jugez sur la période, alors vous dites, c'est très bien que vous ayez fait ça. Bon, alors, je vous donne 2 exemples. On a commencé, puisque vous parlez d'emploi, il y avait 140 000 employés en 1999. Les 140 000, 2 ans après, sont devenus 120 000. 20 000 réduction d'effectifs, 2 ans après. Aujourd'hui, il y a 250 000 personnes chez Nissan. C'est tout. Alors, ça dépend comment... Alors, si vous regardez sur le premier... Oh là là, ils ont réduit les coûts, c'est un massacre, machin, etc. Comment ils peuvent faire ça? Mais on n'est pas descendu à 120 000 pour rester à 120 000. Je savais qu'il fallait passer par là pour pouvoir... Rebondir. Pour pouvoir faire croître l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle, qui vendait 2 500 000 voitures, aujourd'hui, elle vend 5 600 000. On a doublé le chiffre d'affaires, on a augmenté le nombre d'employés, on a multiplié les usines, etc. etc. La capitalisation boursière, je ne vous en parle pas. Nous payons des impôts, ce qui contribue d'ailleurs au bien-être social au Japon, etc. Nous avons une fondation, alors qu'avant... C'est très important, parce que là, vous touchez au cœur du management. Parce que des gens... Quand vous parlez de management, les gens disent, qu'est-ce que c'est le management? Le management, c'est l'art, puisque quelque part c'est un art, de faire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, et en même temps, au bout du compte, qu'ils soient fiers de l'avoir fait. C'est ça le management. Parce que manager une situation où tout va bien, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de compétition, etc., ça c'est facile, hein. C'est à la portée de n'importe qui. Par contre, là où vous reconnaissez les gens qui ont du talent en matière de management, ce sont ceux qui entraînent des équipes à faire des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, mais en même temps, qu'après coup, vous vous rendez compte que
heureusement que ça a été fait, sinon c'était la disparition de l'entreprise. Et d'ailleurs, les turnaround, les bouquins sur les turnaround, oui, tous ceux qui ont, etc., et moi j'en avais aussi écrit un, c'est pas quelque chose qui s'évalue sur 3 ans. Hein. Parce que c'est facile de dire, bon, je coupe les coûts, j'arrête ceci, je réduis les effectifs, je sors un résultat positif au bout d'un an. Ça, ça veut rien dire, ça. Il y a plein de gens, il faut le faire, mais il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Le turnaround, il se juge sur 5 ans, 10 ans. L'entreprise, elle en est où au bout de 5 ans? Elle en est où au bout de 10 ans? Elle en est où au bout de 15 ans? Si vous continuez à croître, si vous continuez à créer des emplois, si vous continuez à vous développer, vous avez fait un bon turnaround. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait de compromis sur le moyen et long terme pour sauver votre court terme. Alors, une dernière question sur l'aile gauche avant que nous redéployons. Bonjour, Thibault Hilaire. Je voulais poser une question pour rebondir sur le sujet de la croissance. Donc la mondialisation a certes permis d'augmenter notre niveau de vie fortement, mais néanmoins il y a un coût écologique quand même très important. La croissance paraît peu soutenable. Et voilà, moi je voulais savoir quelle était votre réponse en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on ne devrait pas chacun se questionner, se demander si on devait réduire notre consommation de biens de consommation justement, et développer des moyens de transport urbain alternatifs? La voiture électrique, par exemple, est un moyen quand même qui reste très polluant quand on compare au vélo, à la marche à pied. Et je voulais savoir là, quelle était votre réponse. Non, mais vraiment, oui, la question, est-ce qu'on a vraiment tous besoin d'avoir une voiture? Oui. Alors, M. Gond, si oui, je peux me permettre, une question, oui, une réponse courte, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de mains qui se sont levées, oui, et surtout sur l'aile droite, qui n'a pas été privilégiée. Monsieur, vous avez tout à fait raison, la marche à pied... c'est ce qu'il y a de plus écologique. Il n'y a pas de raison. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de regarder la voiture en disant « Oula, est-ce que j'ai besoin d'une voiture à Paris ?» Ce qui est une question qui, effectivement, peut se poser. Par contre, il faut regarder la voiture quand vous êtes en Sibérie. Il faut regarder la voiture quand vous êtes au Nigeria. Il faut regarder la voiture quand vous êtes en Inde. Il faut regarder la voiture quand vous êtes en Chine. Où la voiture, c'est l'éducation. Où la voiture, c'est trouver un boulot. Où la voiture, c'est être transporté, etc. La voiture, c'est un élément essentiel du développement. Hein, et c'est bien pourquoi nous allons sur des voitures les moins chères possibles, puisque une grande partie du développement est handicapée par le fait que les gens ne peuvent pas se transporter. C'est quand même un élément très important. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, vous êtes effaré, vous dites il y a 85 millions de voitures qui sont vendues dans le monde aujourd'hui, il y en a 1 milliard qui roulent sur la planète tous les jours, donc on ne peut pas continuer à accepter des voitures avec les performances actuelles en matière d'émissions. Vous avez tout à fait raison. Donc la voiture électrique est absolument nécessaire, parce que la voiture électrique... Alors évidemment, il y a des tas de gens qui disent « Ah, la voiture électrique, mais non, c'est pas vrai, parce que si vous faites de l'électricité à partir du charbon, mon pauvre ami, vous avez perdu tous les avantages. » Mais qui fait de l'électricité à partir du charbon aujourd'hui? La plupart des gens sont en train de faire de l'électricité à partir du nucléaire. À partir, le cas du Brésil, 75% c'est de l'hydroélectrique. Vous avez le vent, vous avez le solaire, vous avez etc. Et ça, c'est zéro émission. Vous êtes à zéro émission. Donc si vous pouvez, d'un côté, assurer le développement par le transport autonome, en même temps, en réduisant l'empreinte CO2 ou l'empreinte NOx, etc., il faut le faire. Parce que, effectivement, quand on dit qu'il faut abandonner la voiture, souvent c'est un discours qui porte dans les pays développés. Mais pas du tout dans les pays émergents. Première chose, vous savez qu'aujourd'hui en Chine, il se vend 24 millions de voitures et 70% de ces voitures sont achetées par des gens qui achètent une voiture pour la première fois. Ils n'ont jamais eu une voiture. Ils n'ont jamais eu une voiture. Il y a 100 voitures pour 1000 habitants en Chine. Une voiture pour 10 personnes. Alors que vous avez une voiture pour 2 personnes en France et que vous avez pratiquement une voiture par personne aux États-Unis. Les pays émergents ne vont jamais accepter de dire « Ah oui, bah attendez, pour préserver l'environnement, il va falloir qu'on se limite tous. » Parce qu'ils vont dire « Attends, moi, tu veux profiter aussi du développement économique. » Donc nous, notre responsabilité, c'est d'apporter des solutions compatibles avec le respect de l'environnement. Et ça, c'est toute la stratégie de la voiture électrique, voire des piles à combustible et d'autres technologies de ce type. Et la technologie a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. Oui, une autre question. En haut à gauche. Bonjour, monsieur. Je suis très honorée de pouvoir vous rencontrer. Alors, j'ai une question, parce que je sais que chez Renault, il y a beaucoup de transparence. Et alors, ce n'est pas du tout une visée polémique, mais c'est vraiment une question que je me pose sur le modèle salarial et notamment la relation salariale dans votre entreprise. Alors... j'ai pu voir que vous gagnez à peu près 300 fois plus que vos ouvriers, c'est-à-dire les préparateurs de commandes qui gagnent le SMIC. On a un séminaire ambitieux qui s'appelle « Comprendre et changer le monde ». Est-ce que vous pensez que gagner 3 millions d'euros par an est une clé indispensable pour comprendre et changer le monde? Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres modèles sociaux plus ambitieux
et peut-être où on peut rompre un peu cette violence symbolique qui, pour moi, est une extrême violence, enfin, pour, à mon sens, est une extrême violence symbolique. Non, mais c'est, bon, c'est bien que vous posiez cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable... c'est un véritable problème, parce qu'il y a un problème d'incompréhension sur les salaires. Oublions le mandataire social, parce qu'aujourd'hui, il y a une concentration sur le mandataire social, et je ne voudrais pas parler de mon cas, parce que je veux dire, effectivement, il est subjectif. Mais aujourd'hui, moi, je gère 450 000 personnes. Sur les 450 000 personnes, j'ai un certain nombre de talents que je considère comme étant absolument indispensables. Et ça, ce sont des personnes. Hein. Ce ne sont pas « Ah, il me faut quelqu'un qui ait tel et tel profil ». Ce sont des gens que je connais, qui sont soit chez mes concurrents, soit dans d'autres secteurs, et que j'estime uniques. Il y en a quelques-uns. Hein. Et je peux vous dire, j'ai une liste. J'ai d'ailleurs une personne qui est responsable de l'embauche des talents supérieurs de l'entreprise, qui passe son temps à scruter l'horizon pour me trouver des gens de tout premier niveau en matière de marketing, en matière de business, en matière d'électronique, etc. etc. Bon. Donc, et la guerre des talents, elle existe. Elle existe, la guerre des talents. Donc, là encore, je me libère, je ne parle pas de moi, parce que pour parler de moi, il faut parler à mon conseil d'administration, pas à moi. Hein ? Eux, ils vont vous dire, ah, il est indispensable, il n'est pas indispensable, il est trop cher, il n'est pas cher. C'est mon conseil qui décide. Mais moi, je parle de ceux que moi, j'embauche et que je suis prêt à payer. Et que je suis prêt à payer 300 fois, 3000 fois d'autres personnes, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça. Et alors... Alors vous dites, ah oui, mais comment, il exagère. Mais attendez, je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus compréhensible. Hein, peut-être plus compréhensible. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a quelques joueurs de foot qui sont payés 10 000 fois que d'autres ? Pourquoi ? Pourquoi un type comme Neymar, au Brésil, est payé 40 millions d'euros par rapport à son collègue qui est peut-être payé 100 000 euros ? On va dire, mais attends, c'est dégueulasse, 40 millions, ils font le même métier. Oui, mais il y en a un qui est indispensable, que tout le monde recherche. Et donc, c'est ce monsieur que je veux pour faire gagner mon équipe. Eh bien, c'est exactement la même logique. C'est pas une question de dire, ah, il faut être fair. Dans le monde d'exigence et de mondialisation, il faut d'abord être performant. Et pour être performant, ben, ça commence d'abord par le talent humain. Ce talent humain, ce n'est pas des individus qui travaillent tout seuls, c'est aussi leur capacité à entraîner d'autres personnes dans ces métiers. Et je peux vous dire que nous, nous avons des gens dont nous ne dévoilons pas, heureusement, les salaires, que je suis prêt à payer même encore plus, et qui sont souvent, ils ont des salaires supérieurs à ceux que l'on voit. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne affaire pour moi que de les embaucher, parce qu'ils sont uniques. Et je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que le patron de Daimler, il fait la même chose, les patrons des grandes entreprises, ils font cela. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que le talent, l'expérience acquise, l'unicité, elle se paye. Je ne parle pas de moi. Parce que moi, ce n'est pas moi qui décide, pour moi, c'est mon conseil. Mais moi, je peux vous dire que je décide pour un certain nombre de personnes qui sont dans Renault et qui sont dans Nissan et qui, pour moi, sont difficilement remplaçables. Ce qui pose tout le problème du fait qu'on passe une très grande partie de notre talent, de notre temps, à chercher des talents. Voilà. Merci. Alors, une dernière question, parce que M. Gond doit impérativement partir à 19h30. Oui, alors, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Merci de nous accorder de votre temps dans notre école de management. Dans l'optique de notre formation, je me demandais les liens que vous faisiez, vous, personnellement, entre votre formation d'ingénieur et votre rôle de manager en tant que PDG d'une grande entreprise. Vous savez, moi, je suis un ingénieur de formation, j'ai fait deux écoles d'ingénieurs, mais finalement, quand je regarde, je n'ai jamais fait carrière dans l'ingénierie. J'ai commencé ma carrière chez Michelin, je suis rentré dans la production. D'ailleurs Michelin m'avait essayé de me persuader de rentrer dans la recherche, j'ai pas voulu, j'ai voulu rentrer dans la production parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen de concilier la technique, le produit, les hommes à tous les niveaux, et je le regrette pas du tout. Et donc je me suis rentré tout de suite dans le management, hein. J'ai été chef d'atelier, patron d'usine, etc., etc., et après patron d'une entité business, et c'est parti comme ça. Donc, mais la formation d'ingénieur pour moi était très importante parce que quelque part dans l'entreprise, vous verrez que les faits sont très importants, les chiffres sont très importants, et ça, c'est la seule chose que vous pouvez apprendre à l'école. La troisième chose qui est très importante, ce sont les hommes, mais ça, vous ne l'apprendrez jamais à l'école. Ça, vous allez l'apprendre à l'école de la vie. Hein. C'est comment on traite avec les gens, comment on les motive, comment on discute, comment on accepte les choses, etc. Bon, donc, moi, je considère que la formation d'ingénieur était une bonne formation pour la carrière que j'ai eue. Il faut dire aussi que nous ne sommes pas une entreprise de service, nous sommes une entreprise industrielle.
Merci, merci infiniment. Merci à ceux qui ont posé des questions, mais surtout merci à M. Ghosn d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir inauguré ce cycle sur la mondialisation et de nous avoir accordé de son temps si précieux. Voilà, bonsoir à tous et à une prochaine.